Moi, voilà, ça fait combien, 10 ans, 12 ans, 12 ans. Merci à Olivia. Oui, ça fait 12 ans. Olivia. Et je suis très heureux de venir dans ce cinéma. Et chaque fois que je viens, je dis, ah, je veux payer ma place. C'est vrai. Très important. C'est vrai. Ah, oui. C'est parce que j'ai payé très cher. Pour aider. Oui, non, mais un scoop, monsieur le maire, aussi paye sa place. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais il est remboursé après, en liquide. Une petite enveloppe. Dans la poche gauche. Oui, c'est important. Et même les avant-premières, moi je viendrai d'ailleurs pour mon prochain film avec grand plaisir. J'ai fait un film avec Fred Cavalier, qui paradoxalement s'appelle Rada. Donc, du coup, je ne paierai pas de place. En même temps, je serai dans le film, donc c'est normal que je ne paye pas si je suis dedans. Bon. Non, enfin voilà. Il y a des super événements. J'étais venu avec mes enfants pour l'avant-première d'Harry Potter en pleine nuit, à minuit, voilà. Et Star Wars, c'est ça. Ici, d'ailleurs, en Atmos, oui, c'est vrai, les salles... Alors, je sais pas si... Si, mais tu vas voir, il y a une petite surprise, là. D'accord. Donc, le son Atmos, qui est le dernier... Il y a très peu de salles qui sont équipées en Atmos. Judith, excuse-moi de te couper, dit combien nous avons de haut-parleurs. C'est impressionnant. 8, c'est un truc. 16, 20, il y a l'attaque ici qui n'est pas ici présent, il pourrait dire, mais c'est vrai qu'en fait, il y a des enceintes au plafond. Je pense qu'il y en a 16 au plafond, 16 sur les côtés. Et peut-être 4. Et à l'époque, le streaming n'existait pas. Donc, quand on était ado et qu'on voulait voir un film gratuitement, parce que on avait quand même une certaine somme d'argent de poche, quoi. Il fallait resquiller. Donc, à l'Ermitage, plusieurs fois j'ai resquillé et une fois je me suis fait choper. Et je peux vous dire que j'ai passé un sale quart d'heure à l'époque. Voilà, j'ai plus jamais refait depuis. Donc, maintenant, je dis c'est pas bien, il faut payer pour le cinéma. C'est bon de venir ici de voir ce nouveau cinéma. C'est tout ce que j'ai à dire en fait. Du coup, tu viens très bien. Oui, qui sortira le 4 mai. Venez tous nombreux le 4 mai voir Un homme à la hauteur. Avec Jean Dujardin et Virginie Fira. Oui. Oui, merci Léa.